Alors, ce matin, on va tracer une parabole à partir de son équation factorisée. Alors, c'est que quand on veut tracer une parabole, les points importants, c'est les zéros de fonction, l'ordonnée à l'origine et le sommet de la parabole. Alors, quand on a l'équation factorisée, ce qu'on connaît déjà, c'est les zéros de fonction. Donc, on va aller tout de suite placer sur le plan cartésien les zéros de fonction qui sont moins 4, parce qu'on sait que dans l'équation, on a x moins x1, x moins x2. Donc, en voyant plus 4, le premier de zéro de fonction est à moins 4 et le second est à plus 1. On doit maintenant trouver le sommet de la parabole. Alors, pour trouver le sommet de la parabole et l'ordonnée à l'origine, ben, quand on a la factorisée, c'est que le sommet passe exactement entre les deux zéros de fonction, puisque la parabole est symétrique. Donc, si on veut trouver le milieu, le sommet, on va faire la moyenne des zéros de fonction, moins 4 plus 1 divisé par 2, ça va nous donner 3 moins 3 demi. Alors, on sait que le sommet va passer à moins 1,5, ce sera le H. Donc, moins 1,5, on se retrouve ici, l'équation de l'axe de symétrie sera x égale à moins 3 demi. Et pour savoir le K, ben, on peut tout simplement remplacer le H dans l'équation qui se trouve être le x, par moins 1,5. On aura donc y est égal à moins 2 fois moins 1,5 plus 4 fois moins 1 plus 0,5 moins 1. En calculant tout ça, on va se retrouver à y est égal à 25 demi, si on aime mieux, 12,5. Or, on est à 12,5 pour le K. Donc, 12,5 est ici. Et pour l'ordonnée à l'origine, ben, ce qu'on peut tout simplement faire, c'est de remplacer x par 0 pour trouver la valeur de y, et ça me donnera l'ordonnée à l'origine. J'aurai donc y égal à moins 2 fois 4 fois moins 1. Donc, 2 fois 4, 8 fois 1, ça fait 8. Un moins par un moins plus. Donc, on aura 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, j'ai ma parabole tracée avec mes zéros de fonction, moins 4, 1, mon ordonnée d'origine, 8, et mon sommet qui est ici, moins 3 demi, 25 demi.